Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wisdom. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour en compagnie d'Ichiko. Coucou. Nous sommes à 230 mètres de la cible. Bon, même si cette vidéo apparaîtra dans 3, 4 mois, 6 mois, 10 mois. Je vais être débordé moi entre tel off, massif. Tu vois, j'avais pas prévu tout ça. Bon allez, on sort. On va pouvoir... Ouais, bah tu vois, tu vas pouvoir suivre Let's Play Mass Effect, toi. Oui, de fait. J'aurais bien voulu quand même voir les trois premiers, hein, mais... Ah bah je les ferai. Bah tu m'avais déjà expliqué l'histoire, donc je combinais le truc. Ouais, mais je les ferai. Mais je vais racheter les extensions. En rappel, quand tu... avant de le faire, je veux dire. Enfin, ça dépend aussi quelle fête tu choisis, quoi. Ah ah. Bah je choisirai toujours la même, moi. Attends, je prends le drone. Attends. Ok. Donc, parlez à Gabriel, là. Oh. Ma filtre. Tu sais quoi, les touches, déjà? Ouais, très casse, t'as le temps. Arrête de mater. T'as le temps. T'as vraiment le temps. Bah, ça y est, regarde ce qu'il mate, ma chérie. Regarde, il mate cette femme. Non, je la surveille. Faut qu'on l'extrait, donc je la surveille. Ouais, c'est un pervers. Non, il faut lui parler, déjà. Il faut voilà, elle a paniqué, là. On va voir ça qu'il a pour finir. Restez derrière moi. Mais quel pervers! Bon allez, on va l'embarquer dans une voiture et on se casse. Attends, mais j'en reviens, regarde. C'est moi qui conduis, tu vas être distrait. Pardon. Moi, ça va le palais. Mais non, je serai pas distrait. Ah, tu veux que je la garde? Ah, mais y'a pas de soucis. Quoi? Descends! Ah, derrière nous. Oh non, c'est l'unidad! Ouais. Ah, et devant nous. T'es dedans, toi? Non, je suis... Vas-y, tracasse pas pour moi. T'es sûr de ça? Oui, vas-y. Oh, l'unidad! Désolé, madame! Oh, j'ai écrasé une vache! Le bon petit freeze. Ah, moi, j'en ai pas, là. Mais mon PC, il a dormi toute la journée, tu peux pas savoir. Ouais, putain. Ouais, il s'est requinqué, en fait, le truc. En plus, j'ai tout coupé, la lime et tout. Moi, j'étais peinard, mais bon, bah, écoute. À cause de vous, je vais finir brûlée vive. Personne ne fera de mal. Elle va finir brûlée vive. Okay. C'est pas grave, je vais m'occuper d'elle. Antonio, j'ai faim. Oh, Antonio lui écrivait des lettres. What? Moi, freeze, qu'est-ce qui se passait? T'avais un caillou devant toi, peut-être qu'il t'a pas vu. Non, mais j'ai eu aussi un freeze et il y avait une voiture derrière moi. Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Je suis. Du coup, on arrête de regarder de l'avant. Vous avez une deuxième chance. Du coup, faut que je. Je peux changer de lieu. Même okay. D'apparence. Ma voiture elle fait. Ouais, bah, j'ai le même état moi. Moi elle est mitraillée, elle est criblée de balles là. T'es dans le fourgon de Scooby-Doo. Ah ouais, bah là c'est ce qu'il en reste parce que là j'ai des trucs de balles sur toute la carrosse. Mais lui j'ai sous ma bagnole. Je peux changer de lieu. Même d'apparence. Et là t'as le radote. Ouais, je t'écoute. Là le vois. Non mais du coup tu te rends compte tous les vidéos que j'ai fait d'avance et tout exprès pour l'hôpital? Bah je vais tout recommencer. Tu vas pouvoir te les relaxer quoi, non? Non. Ah non parce que je vais les avancer parce que là j'ai passé trop de fois du coup. Et il faut que je refasse une gazette. Supprime l'autre alors. Non bah oui je la supprime. Ça sert plus à rien. Je l'ai même pas regardé en fait, je vais complètement zapper, j'ai voulu la regarder et j'ai. Bah bravo. J'ai plus regardé YouTube depuis un moment en fait. Oh l'autre il s'est épais. Allez, on extrait. La cible. Antonio et toi, vous vous reverrez plus. Jamais. Il va aller moisir dans une prison aux États-Unis où il passera le restant de sa vie. Chaque jour pendant 60 ans. Vraiment. Il fixera les mêmes murs. J'hésite à appeler l'épisode Ichiko le pervers. Il parlera avec lui-même jusqu'à ce que son cerveau finisse par claquer. Mais moi, je jette mon cigare comme un mongol. Sa vie est déjà finie. T'es assis sur la table? Ouais, je vois ma visée d'une lunette. Si tu veux. Ah, t'as la bague alors, parce que moi, non. Moi, je vois bien la femme. Maintenant, toutes les deux que tu en même temps, tu verras même pas les autres défauts. Elle est jolie. Mais et si je ne suis au courant de rien? Très jolie. Regarde bien des deux côtés avant de traverser la rue. Ok, c'était quoi cette menace de merde? C'est tout? Ouais. Oh!
surprise. Ah, mais ils viennent d'où, eux? Fais gaffe en sortant. Je sais, je suis en train de les zigouiller depuis que je suis sorti. Il reste plus personne à part Raga. Hein? Bah moi j'ai été surpris. Bah pour une fois, j'ai pas eu énormément de frises. Ah moi si, là j'ai eu un gros frise de merde. Oh putain, la moto qui pète à côté de moi. Ah, y'a tout qui a pété, hein, donc... En fait je suis sorti, c'est pas qu'il y a eu le chargement. Ouais, donc, c'est ça. Moi je suis sorti, je voyais déjà les tirs et tout ça, je les ai tous... Ah non mais j'ai eu le gros freeze et tout de la mort qui tue. Par contre là j'ai le gros freeze. Wow, qu'est-ce qui se passe? Michael Bay sort de ce jeu. C'est bon, on a avec la tacte. Ok. Allez Franck là, en avant. Voler plus haut, encore plus haut, dans mon hélicoptère de brin. Oh putain. Quand j'ai vu que j'ai freeze, j'ai appuyé sur remonter pour être sûr. Tu m'étonnes. Bon. Roman, ah voilà. Viens d'arriver à Remanzo. Y a quoi à savoir sur ce coin de paradis? C'est un grand centre de trafic pour le cartel. Ils utilisent des techniques de pointe pour faire passer la frontière à leurs produits. Autant dire qu'ils ont mis le paquet sur la sécurité. À vous de vous rencarder sur le réseau pour trouver comment le démanteler. Et pour le big boss du secteur? On le surnomme El Gato. El Gato. Eh, hey, le gâteau. La réputation d'être impossible à tuer. Ça, c'était avant qu'il nous rencontre. T'as ses antécédents? Je vais vous préparer son profil et je vous envoie ça tout de suite. Compris. Des pistes, peut-être? Une seule, non confirmée, selon laquelle El Gato aurait aménagé un labo dans une église de la Santa Blanca pour un de ses chimistes. Une église. Je vous envoie les coordonnées. Vous comprendrez quand vous soutiendrez. C'est pas bien. Un chat moyen, la bestiole des plus vieilles, a 9 pieds. El Gato en a déjà perdu largement plus. Il s'est fait descendre, suriner, étrangler, exploser, cramer, défenestrer, écraser, noyer. Hey, on voit une hanche comme par hasard. Sortir toujours. On voit une radio de la hanche du gars. Il porte le sang de son père en médaillon autour du cou. Il en sniffe pour se donner du courage. D'après lui, c'est mieux que la coke. C'est le vrai pouvoir que procure la mort. C'est corrompu. Responsable colisage à Remanzo, il bosse pour la Santa Blanca depuis ses 16 ans. C'est quoi son père, celui-là? C'était le chirurgien du cinéma comme de la drogue. Jusqu'au jour où son père a eu un parrain de la coke sur le billard. Et qu'il l'a perdu. Il savait parfaitement à quoi s'attendre. Plutôt que de laisser son père subir une mort lente sous la torture, El Gato a préféré prendre les choses en main. J'aime pas son nom, El Gato. Et le gâteau, fais gaffe car Pepito arrive. Ça fait Far West ici. Ouais, regarde, on va découper les trucs. Non, ça va pas se découper. Si. Ah ouais, il me faut de l'eau. C'est des pampas dans Final Fantasy. Par contre, j'ai un hélicoptère qui glisse, attends, faut que j'arrive à le poser correctement. Je m'approchais du moulin avant, tel un cow-boy solitaire. Il faut qu'on fasse fermer cet endroit. Entrer dans l'usine et faire de stockage des liquides, ça devrait suffire. Quoi? On est sur le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Ta tête me revient pas? Du rétistade. Yes. Tan 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 tan. C'était pour l'occasion. Bon. On va capturer le chimiste. Bon. Alors lui, ça a tué en priorité. Ça, c'est clair. Attends, il faut juste que je me réhabitue. Waouh! Ennemi abattu. Alors moi, lui j'ai pas de visu le E. Faut que je bouge. N'hésite pas à me parler quand tu... si tu es quelqu'un ou quoi. Ok. Allez, je vais m'infiltrer par là-bas. Par le... Bah voilà, par celui-là que t'as ciblé, tu vois. Ah non, parce que je... toutes les personnes où je vois qui sont au sol, je... Oui. Non mais je vais les... je peux y aller quoi, je vais passer par là-bas quoi. Ok, là, je vais m'approcher pour avoir un visu. On va fouiller les lieux et choper le chimiste que cherche Bowman. Attention au stock de produits chimiques. Si une balle perdue finit là-dedans, ça risque de pas nous plaire. Est-ce que tu vois le snipe là ou pas, toi? Le E. Le 1? Oui. J'arrive pas à le voir, il bouge à chaque fois, ça me saoule. C'est bon, il est mort. Merci. Alors, attends, je regarde les mètres. Ah, lui, il a 200. Ça, parce qu'il faut que je gère le viseur et en plus c'est un verrou donc je peux pas tout. Oui, je suis obligé de prendre mon temps. T'inquiète, paupiette. Ok, on va sortir bien. Un en moins. Ok,
Et n'hésite pas à me cibler celui que tu les mènes à chaque fois, comme ça je peux voir si pour te couvrir s'il n'y a pas un deuxième qui voit. Tu peux me péter l'alarme? Je vois pas le boîtier. Je crois qu'il est de l'autre côté. Je crois que le boîtier n'est pas de mon côté. Bah je l'ai. Ok, voilà. Ouais, il était de l'autre côté, c'est ça. Je crois qu'il y en a un qui a alerté là, je suis pas sûr. Non, ils ont entendu, mais. Il faut faire quoi? Capturer le chimiste. Le chimiste. Bien sûr, ils sont tous venus. Ouais, y a pas de souci. J'attends juste qu'ils changent de position et puis après on peut se les allumer. Je balance une grenade de diversion. J'ai envoyé une grenade de diversion par là-bas. D'accord, nickel. Faut que ça les attire tous. Là, ça va en tirer normalement. Moi, je peux me faire ceux qui ne bougent pas quand ils se seront arrêtés. Tu me dis qui est chopé, comment, et je mitraille. Mais je suis à verrou, donc faudra. Lui. Ah, je peux pas, il est dans le bâtiment. Par contre, je peux choper. Lui. Attends, je peux choper lui là. Là. Vite. Merde, putain d'unidad. Unidad vient de passer. Oh, c'est pas possible. Voilà, il se l'a mal. Vas-y. Ah, mais il y a l'unidad. C'est pas un problème, vas-y. Ah bah je suis tombé, putain l'unidad. Putain, il prend pas cher. Ah non, mais eux par contre ils m'ont mis deux balles et je suis tombé. Ah, les fricandelles. Il faut que je me mette à l'abri. Ça me va. Le on a dû le refaire en urgence. T'arrives à me sauver? Oui, j'arrive. C'est parce qu'il y a l'unidad juste en dessous de moi. Quoi, il y a les amygdales? Non, l'unidad. Ah, j'ai compris les amis. Non, mais en même temps, c'est normal. Ils ont la grosse sur moi. Je vais chercher le... Vas-y. Oh putain, il y a deux voitures. Et les renforts, ils arrivent quand, là? T'as appelé les renforts? Bah oui, je l'avais déjà appelé, mais... J'ai rien vu. Bouger, moi. Ouais, ce serait cool d'arrêter les chargements pendant que je tire, les gars. Je suis en plein freeze, je peux plus bouger, je suis freeze. Ah non, mais c'est chiant ça. Je suis toujours le même. Et ils veulent pas, il y a un gars, il veut pas mourir. Hein. Voilà, je suis plus en freeze. Oh, grenade! Je l'embarque dans la voiture. Putain, c'est une mission échouée ça. Mais il fallait qu'ils passent l'unidad aussi. Ils sont partout. Faudra qu'on regarde plus souvent la map à mon avis. Ouais, bah ouais, parce que là j'ai pas fait gaffe. Moi non plus, j'étais en place snipe. Et en snipe, je vois rien. Vas-y, viens, monte. Vite. Vite. La voiture prend des dégâts. Bah si tu bouges et que je freeze en même temps, ça me fait pas. Vas-y. Fonce. T'as pas plus rapide. Bah c'est la voiture, je sais pas, on dirait qu'elle a accroché au sol. Regarde, quoi. Putain. Oh putain, c'est... Ah, je peux pas appeler un hélicoptère en voiture, sérieux. T'inquiète pas, on va gérer. Accroche juste ta ceinture. Oh purée. Comment on fait pour rentrer au clavier? Pourquoi? Rentrer dans la voiture. X. Ah, et quoi, il fabrique des poissons lui? Non, des boissons. Parce que c'est un entrepôt de boissons énergiques. D'accord. C'est pendant que t'étais en train de te changer, il le disait. Des Red Bull. Et c'est une couverture en quelque sorte, je pense. Hésitons. Oh le fou. Ça va être à nous de jouer. Ok. Hop. Et hop, oh, voilà, c'est bon. De frise. À l'intérieur. Moi je m'en fous, je suis à l'extérieur. Enfoiré.
Voilà, extraction. Eh, on dirait Masha dans Assassin's Creed. Je suis qu'un chimiste. Desmond ? Ouais. Tout va bien. Je comprends. Le cartel t'a dit que si jamais tu te faisais coffrer, il fallait dire au fond. Il a juste le front trop bombé. Alors, dis-moi, je connais pas. Elle a pas de bras, moi, là. Bowman, elle a pas de bras. Ah bon ? Pas de chocolat. Ah bah, ça peut être bug parce que moi, elle les a là. En fait, elle a juste un gilet pare-balles. Ah bah, non, c'est son t-shirt. Ah, il y a une main qui sort. On n'est pas le fric. Personne viendra te faire sortir. C'est Rayman. T'as deux choix, ni plus ni moins. Soit tu nous files gentiment la formule, soit tu dis au revoir. À toi de choisir. Je crois que je vais aller sur Annie 3. On va faire moitié-moitié, on va faire Isaac, comme ça, pour les charges. Voilà, c'est ça. Oups. Toi, t'es arrivé là où il y a plein de gens. Bah, je suis sorti, Il m'attendait, quoi, tu vois. Mais... Drague lancée. Bah. Reçoit des renforts rebelles. Il est temps qu'ils viennent, les rebelles. J'ai appelé leurs renforts, ils sont occupés. Allez, hop, on se casse. Tire pas, il y a des... Non, tire pas. On a plus l'agro, là. D'accord. J'ai appelé les rebelles pour être tranquille, en fait. D'accord. Ouais, mais là, ils arrivent, là. Ouais, mais ils sont trop loin. On est plus dans leur zone. Bon, en tout cas, les petits gens, c'est ici qu'on va se quitter. On vous dit donc à la prochaine pour la suite. Et portez-vous bien. Bye, bye. Bye, bye.